Un nid, c'est un coin pour se blottir, un retour aux sources, un endroit qui protège, un lieu où l'on se réfugie et d'où il faut bien partir un jour. Pour cette position sur la nidologie, on a des fragments très concrets, on a des nids extraordinaires, mais les documents que nous ont laissés les nidologues sont parfois incomplets. Donc ils ont été complétés par ce couple d'artistes, Monsieur Kiki et Albert, Kiki, Madame Kiki et Monsieur Albert Lemans. Kiki et Albert Lemans sont pour lui-même, il s'est occupé de tout ce qui est graphie, c'est-à-dire qu'il est graveur de son état, il a fait beaucoup de peintures ici, il y a assez peu de documents photos, donc on les a remplacés par des gravures et des peintures. Et puis vous voyez, il y a beaucoup de nids, alors ceux-ci ont été... Kiki les a remis, on pourrait dire, leur a redonné de la vie. La nidologie, c'est très simple, c'est la science des nids et des œufs et des oiseaux, forcément, qui les accompagnent. On commence par le nid. Quand on trouve un nid, on se dit qui a habité là. Si on trouve un œuf, on analyse l'œuf. Alors le centre des nidologies, c'est à la fois un centre de... c'est une collection, et puis c'est aussi un laboratoire de recherche. Et puis on est très précisément dans ce qu'on appelait la maison du jardin alpin, qui se trouve au cœur du jardin alpin, du jardin botanique et jardin alpin de la commune de Mérin. Père Dr. Nestor Falkenstein, premier directeur de recherche du laboratoire Mutations et pièces détachées. Alors cette exposition s'adresse à tous les publics familiales. On va recevoir aussi beaucoup d'écoles auxquelles nous proposons des visites ateliers d'une durée de 2 heures. Accompagnées de 2 médiateurs, on fait à la fois la visite de l'exposition et puis nous aurons un atelier de création autour des nids. Ça nous permettra également de faire une promenade dans le jardin où actuellement il y a des œuvres artistiques autour du nid qui sont également proposées. Théophraste Maigrichon a été le premier nidologue, mais son enthousiasme et sa vocation ont donné vocation à de nombreux autres nidologues du monde entier qui ont chacun amené une pièce pour compléter la première collection de Théophraste. Oui, mes amis, c'est avec une intense émotion que je vois s'ouvrir les portes de notre institut. Et lorsque le premier visiteur en aura franchi le seuil, la nidologie aura enfin pris la place qui est la sienne auprès des autres sciences du vivant. Il en aura fallu du temps, mais voilà, c'est fait, et nul ne pourra plus jamais dire « je ne savais pas ».